Yo tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur StarCraft 2, oh yeah, la campagne. Et donc nous nous étions arrêtés dans le laboratoire après avoir croisé un Protoss, un vieux papy Protoss psychopathe et en plus qui voyait l'avenir. Et il nous a filé ce joli cristal qui permet de... apparemment de voir le passé ou je sais plus trop quoi, enfin on va voir. Et on m'a fait remarquer dans les commentaires de retourner voir les bocaux. Voilà, donc ça a encore grandi apparemment. L'échantillon Zerg a développé un organe oculaire. Non, ça on l'avait déjà vu, je crois. Ouais, ça on l'avait vu. Mais en fait non, hein. Par contre ça peut-être. Alors il disait, il tire son énergie du vaisseau. Ouais non, il n'y a rien finalement. Je crois qu'on avait eu de nouvelles recherches, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors on a un truc Protoss. Alors microfiltrage, la raffinerie et la raffinerie automatisée extrait le gaz. L'espagne 25% plus vite. Ah c'est pas mal ça. Alors que ça c'est les dépôts de ravitaillement sont construits instantanément. Oh oui j'aime. Ah, pas mal. Ouais, écoutez, on va prendre ça. Ça m'a l'air plus... Tac. Voilà, ouais, parce que après, on prendra les raffineries de Vespen automatiques et on pourra en construire plus sur toute la map. Donc, il n'y aura pas besoin qu'on l'extrait beaucoup plus rapidement. Enfin, bref, l'artefact normal. Tenir ces artefacts me rend nerveux. Vous pouvez m'en apprendre plus sur eux. C'est intéressant. Ah. Celui de Xil est différent des autres. Cependant, je pense qu'ils ont un jour tous fait partie d'un même appareil. Ils forment quelque chose de plus grand? Il semblerait. Ce n'est qu'une théorie, mais il y a une affinité entre les artefacts que nous avons trouvés. Une sorte de résonance harmonique. Étant donné les points d'alignement translinéaire contigus, je pense qu'avec l'ajustement de champ adéquat, ils s'attireraient comme des aimants. Ok. Eh bien, n'ajustez rien pour le moment, Doc. D'accord, alors j'ai tout compris quand elle a parlé de trilinéaire contigu ou je sais pas quoi là. Enfin bref. Il nous faut plus de prélèvements. Ouais, bon, alors on va faire. On va jeter un œil sur le cristal. Ouais. Hop, jeter un petit œil sur le cristal. Raynor. Wow! La meute du vide se rapproche. Je confie à ce cristal et à ma mémoire. Wow. L'essence de mon être. Pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu et que l'avenir conserve un espoir. Ah oui, d'accord. Objectif de la mission, enquêter dans les sanctuaires Xel'Naga sur Ulan. Perspective de recherche. Ouh, oui. Eh ben écoutez, je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça. C'est une nouvelle mission. Les autres missions, on les continuera après. Voilà, on va faire un petit peu quelque chose de différent. On ira bien sûr interroger les différents personnages juste après cette mission. Je lance pour le moment. Donc, je sais pas mais ce que ça va faire. Ami Raynor, cela fait bien longtemps que nous avons combattu ensemble les saints. Ouais. Je m'en souviens plus. Depuis lors, j'ai arpenté le vide en solitaire, à la recherche d'une ancienne prophétie dont on dit qu'elle annonce le retour d'Xel'Naga. What's that? Mon séjour m'a conduit vers un monde éloigné appelé Ulan. Ulan. Ah oui, bien sûr, t'as un œil qui brille plus que l'autre, c'est normal. J'ai découvert des fragments de la prophétie. Cependant, je n'étais pas le premier à avoir fait cette découverte. Il vous incombe maintenant, vieil ami, de faire vivre mes souvenirs et de croire. D'accord. Ah oui, en fait, on va le contrôler. Oh putain, ça va être bizarre ça. Ouh là là, ça réserve beaucoup de surprises. Il a un skin qui ressemble au... Alors, si j'ai pas de bêtises, au Dark Templar. Oh. Holy shit. Oh là 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 là, c'est beau, une magnifique cinématique. Le Saint Zerg est venu comme prédit.
la vache. Premiers-nés des dieux sont allés les affronter. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Mais ah ouais, d'accord. Nous sauver. Ah, c'est des dieux en fait. Oh la vache, oh il a du skill. Détruire. Oh il a du skill. Oh il a du skill le Zeratul. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va faire là? Digne du Seigneur des Anneaux. Ah oh, c'est beau. Ah hein. Oh, c'est tellement cinématographique les amis. On me l'avait dit, hein. Je sais plus où, mais on m'avait dit que c'était... Oh la vache. What the fuck, sir. Ah, ah, c'est des ultralisques ça. Ah ouais, d'accord. Oh le fou. Wow, il y a du membre qui gicle. Non, il est sérieux. Oh. Ah merde. Oups. Kerigi. Je savais bien que tu finirais par arriver. Oh. Tu profanes ce lieu par ta simple présence, Kerrigan. Tu les entends, Zeratul? Ils murmurent d'entre les étoiles. Oh, elle s'est ramenée avec ses ultralisques, elle. Oh, c'est pas ses hydralisques, pardon. Pas ses ultralisques. Peut-être. Oh, dissimulation, bitch. Mais d'ici là, tu seras mort. Ah, il a essayé de se battre contre elle. Allons. Nos petites batailles sont dérisoires. Ah, elle a du skill aussi, hein. C'est oh, là, 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 là. Qui approche, rien ne peut l'arrêter. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Oh putain, la feuille se faire décapiter. Oh la vache. Oh, il s'est fait couper une aile. Une aile squelette. Qui est dégueulasse et qui ressemble à rien. Oh, il est mignon. C'est quoi ça, sans Zergling ou quoi? Le destin ah est ouais. immuable. Ah non, c'est la un ultralisme. Non, c'est un Zergling. Oh, je sais même pas ce que c'est. Et quand elle me trouvera. Oh shit. Je me donnerai à elle. Enfin. La prophétie. Est incertaine. Il reste encore un espoir. Oh, mais c'est juste magnifique. Ah, il est trop gros, il peut pas passer. Oh, dommage. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment mais magnifique. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Écran noir, oui. Ah non, c'est bon. Murmure du destin. Oh là 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 là. Les unités Protoss possèdent des boucliers qui absorbent les dégâts et se régénèrent lentement quand elles ne sont pas au combat. Oh, c'est vraiment splendide. Et c'est digne du Seigneur des Anneaux. Version science-fiction, en fait. Enfin, oui, version science-fiction, si on veut. Mais... C'est... Je sais pas quoi dire, c'est vraiment beau. Hein. Ce jeu est... Il me tarde de faire le Heart of the Swarm, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Je vais essayer de l'avoir cet été en même temps que mon ordi. Tac. Ok, on a Zeratul. Oh, il a du skill. Vous me parlez ? Oh, il a plus 3 d'attaque déjà. Ok. En-Arodin Rashagal. D'accord, alors Zeratul... J'ai pas vu. Zeratul doit survivre, conduire Zeratul au sanctuaire. La prophétie a été divisée en plusieurs parties. Chacune conservée dans des sanctuaires séparés. Je dois les rassembler et quitter ce monde
rapidement. Ah bah vas-y hein. Autre. Tac. Suktash Salok. Ah mais il est invisible. D'accord, ok, c'est bon alors. On va pouvoir se faire du... On va se faire plaisir là. Oh mais... Ah mais d'accord, c'est parce qu'il a... Il a plus 3 de... D'accord, alors attendez, ça m'énerve, c'est pas assez fluide. Excusez-moi, hein, je fais ça. On va mettre en qualité moyenne. Je retourne à la partie. Alors je sais pas si ça a changé quelque chose. Je sais vraiment pas, mais... Ouvrez bien large. Il est heureux que je puisse voyager par les ombres pour atteindre. Donc je pense que je vais plutôt mettre en élevé, excusez-moi. Tac. Retour à la partie. D'accord. Let's go. Transfert. Oula, non, c'est pas ce que je vais faire. Alors, on a une capacité de transfert, ok. Wow, 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 ça m'a l'air bien cheaté. Alors, on va buter d'abord l'ultralisque. Alors, faut pas que... Non, l'hydralisque. Voilà, je me gourre tout le temps. L'hydralisque. Faut pas confondre. Donc, il y a du mucus partout. Je suis en 30 fps. Ça peut aller. J'espère que c'est assez fluide pour vous. Tac, tac, tac. Bon, pour l'instant, c'est... plutôt simple. Ah, par contre, il a pas de vitesse d'attaque, hein. Par contre, néanmoins, il a un de c'est quoi ça, un de d'armure, un de bouclier et bien sûr 3 d'attaque. Les sporuleurs rampants peuvent détecter ma présence. Ah oui. Je devrais les étourdir avec ma prison du vide. Oh oui, oui, carrément, vas-y. Au service d'Ayur. Allez, on pète. On pète. Ah, oh, par contre, ouais, c'est clair que... Tac, l'hydralisque, tac, les deux petits zerglings. Alors ça vraiment, plutôt pas mal cette mission. D'accord, par contre... mince, je dois aller où? Alors j'ai pas dû faire... Ah c'est peut-être là. Non, j'ai pas dû faire gaffe quel... Ah oui c'est là, j'avais pas eu. Si on commence comme ça, c'est sûr que... Donc je sais pas s'il y a des objectifs secondaires. Wow. Et là c'est un ultralisque. Merde. Alors on va la... Tac, on va l'étourdir et on va bien sûr la péter. Comme ça ce joli... Ah mais non c'est un ultralisque. Oh là j'arrête pas de m'embrouiller. Ce joli ultralisque va aller dire bonjour aux étoiles. Ah, ah d'accord, ah, il est comme ça lui. D'accord. On pète bien sûr les tumeurs muqueuses. Là, je vais plus sélectionner. Les petits zerglings. Qui sont complètement inutiles. Voilà. Par contre, cet ultralisque qui vient de s'enterrer, ça me plaît pas beaucoup ça. Ma loyauté est vôtre. Ah, ok donc. Ce sporuleur rampant peut me détecter depuis l'autre côté du fossé. Oui, 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 t'inquiète pas. Il doit être neutralisé avant que je puisse traverser. Voilà, maintenant on bute bien sur les petits zerglings. Le mucus est en train de se retirer. On est déjà à 22 kills. Ah, ils s'enterrent. Ils ont peur là, et là ça se voit. Et cette map est vraiment terrifiante. Je ferais mieux de l'étourdir avec ma prison du vide avant de traverser cet abîme. Ah, d'accord. Ah, oui, donc là il est inutile. On bute bien sûr les hydralisques. Tac. Bientôt 30 kills. Cette map est terrifiante, hein, c'est abusé. Ouais, donc ça sert à rien après. Hop, sanctuaire. Un point de recherche, Protoss. Et voilà. Wow. Le premier fragment de la prophétie. Bientôt tout sera clair. Ah, bah j'espère, ouais. Point de sauvegarde atteint. Petit. Pourquoi oula, petit live. Pourquoi ne pas sombrer dans l'oubli, Zeratul? Ne vaut-il pas mieux mettre fin à ta lutte aujourd'hui? Plutôt que d'être le témoin des derniers moments d'agonie de ton espèce. La prophétie que j'entrevois pèse lourdement sur mon cœur. Je dois trouver les sanctuaires restants avant qu'elle ne reconsidère sa décision de me laisser en vie. Ah ben... Oh, 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 what's that? Des fléaux. Je crois que c'est ça qui sort des ah, j'ai oublié le nom des lords là, des broodlords, un truc comme ça. Ma loyauté est vôtre. Autant pour
le sursis de Kerrigan. Oh la vache. Je ferai pour Chakuras. Mince, et comment je fais? Ah d'accord. On bute, on focus les mutalisques avec nos stalkers. Alors je crois, ouais, ils ont le blink. D'accord. Alors les stalkers ont aussi la capacité de blink. Parfait. Salutations, exalté. Nous sommes ici au nom du Haut Templier Karras. Il n'est pas loin. Deck. Votre présence est la bienvenue. Continuons à avancer. Deck. Permettez-nous de détruire leur défense avant voilà. De continuer. Ok, bon, on a buté le vigilant, voilà, comme ça ces espèces d'idiots d'hydralisques ne peuvent plus rien. Ah bah tiens d'ailleurs, on va... Ah bah non. Ah bah ils se sont enterrés. Ah bah c'est des... C'est des peureuses hein, les hydralisques, faut pas croire. Hein. Oh, oh putain, alors là il y a une spine, une tumeur, quelques mutas. Donc ça c'est... Alors un sporuleur, voilà, faut que je fasse gaffe. Donc ce qu'on va faire c'est... Initié, tu vas aller niquer ça. Avec et tu vas aller péter ça, mon chou. Ok, alors. Bon, alors les. C'est bon. Oh là là là, les spines se font exploser en deux coups, donc on a perdu un stalker, désolé mon gars. T'étais utile. Mais malheureusement tu nous as laissé. Tu es décédé dans la. Oh ! Ah bah tiens. D'autres stalkers avec nous. Parfait. Qui ont le bling bien évidemment. Ah voilà. D'accord. Alors ce qu'on va faire. Alors. Sukdash, salope. Je suis le cœur des ténèbres. Tu vas aller. J'effacerai les démons du passé. Alors Zeratul va s'occuper des mini-crottes. Pendant que ce monsieur va buter le seigneur Vermine. Donc on a déjà perdu un stalker. D'accord, alors on va attendre un... Oh mince, par contre là il nous voit, c'est pas bon. C'est pas bon. Tac. Ma loyauté. Ok, maintenant on se fait lui. Je serai sauvé. Alors ça je sais pas ce que c'est, des fléaux. C'est complètement hideux. Nickel. Alors on va essayer de buter ce joli petit corrupteur. Ouh, ils sont craqués. Ah mais ils ont plus 3 d'attaque, c'est pour ça qu'ils sont aussi OP. C'est gentil. Comment il s'appelle? Ouais, c'est Stalker, oui. Tac. Ah mince, ah lui c'est chier. Ah bravo. Ah donc on en a un autre Stalker. Donc va falloir les économiser puisque là ça commence vraiment à être un petit peu chaud patate. Tac, viens. Let's go. Oui, je te parle, oui, oui. Wow, c'était quoi ce bruit? Préparez-vous pour une attaque aérienne. Tenez bon, mes frères. What? C'est quoi ces trucs? Alors, on focus le muta là qui a eu l'audace de s'égarer. Nous devons agir. Un petit blink offensif. Ma loyauté est vôtre. Azeratul, il est complètement craqué. Donc là, ça nous a rien fait. Hein. Ma loyauté est ok, donc deux stalkers en plus. Tac. Alors, je crois que j'ai pas fait mon Skype, j'ai encore oublié. Wow, wow, wow. Elle cherche à pervertir ce monde sacré. Je dois mettre un terme à son plan. D'accord, ok. Alors, les graphismes là, ça commence vraiment. Si on met en faible. Ah, ouais, c'est légèrement moche. Bon, on va laisser en élevé. Putain, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi. Ici, ça lag particulièrement.
Écoutez. Se cache, Salok. Bah alors c'est par où qu'on entre? J'accomplirai ma destinée. Alors, on va bien sûr péter ce machin. Alors, je m'excuse vraiment si c'est pas fluide, mais... Nous devons agir. Alors, tac, voilà. On récupère la deuxième. Je suis la voix de l'éclipse. Le second fragment de la prophétie. Ma tâche est presque terminée. Ouais, c'est cool. Point de sauvegarde. Ton espoir est une illusion. Oh putain. Oh, tu m'insultes pas là. Si vous pouvez lire aussi facilement mon esprit, Kerrigan, vous verrez que je n'abandonnerai jamais tant qu'il y a de l'espoir. Oh, c'est mignon. On dirait. On dirait comme dans le Seigneur des Anneaux, hein. Ah, Gand qui dit ouais, il y a encore de l'espoir et tout. On va péter ce truc. Allez hop hop, oh, ils sont vraiment, ils font vraiment beaucoup de dégâts. C'est ok, donc on doit détruire les couveux zerg. Tac, plus de corrupteur. Wow, c'est quoi ces sacs à merde? Alors ici ça lag particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Au service d'ailleurs. Une zone qui bug. Gloire au premier né. Ah, c'est déjà un peu mieux ici. N'Aodin. Prudence. Hop, ça on le pète. Kerrigan a placé des gardes pour nous barrer le chemin. Oh, mais ça non, c'est des... Un piège. C'est des vieux... Des vieilles... Nous devrions les abattre soigneusement. À la fois, sinon nous courons le risque d'être submergés. Je serai... Alors, on va buter ces spines. Que tombe. Voilà. Comme le vide. Vous me parlez. Ok, bon. Un petit blink offensif. Tac, voilà. Alors, je crois que ça nous fait gagner des attaques. De précieux dégâts, on va dire. Et de minimiser ainsi les pertes. Normalement. Ah, des chancres. De belles lignes. Tracker, abattez-les de loin. Allez. Allez-y les mecs, vous êtes faits pour ça. Je crois que je suis dans la merde là. Ma loyauté est vous. Vous me parlez. Vous avez besoin de moi. J'effacerai les démons du passé. Je suis la voix de l'éclipse. Veraco. Oh, il y en a. Étonnant. Heureusement qu'on a Zeratul qui se les fait tous. Oh, attention, une avancée des Baylings. Des Baylings, je crois, c'est ça. Oh. Oh là là, c'était chaud, les amis. Mais on a réussi à s'en sortir. Il n'y en a pas un seul qui nous a pété à la gueule. Déjà, c'est plutôt bien. Attendez, on va faire un truc de fou, regardez. Tac, voilà, on enlève le mucus. Alors ici peut-être qu'il y a un truc secret. Ah ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Heureusement que je suis allé voir, hein. Et il y a une couveuse. Doit être détruite. Voilà. Si je veux empêcher la reine des lames de pervertir cette terre. Mais non, tu vas pas la... Elle va pas la pervertir. Oh. Et voilà, messieurs. Il a essayé de tuer mon stalker. Heureusement j'avais la capacité de l'étourdir. Enfin, la capacité étourdissement. Donc, je vais essayer vraiment de trouver toutes les. Et maintenant, on court. C'est vraiment chiant ces bestioles. Hein. Heureusement, on régène le. On régène bien sûr le bouclier parce que sinon, ce serait. Voilà quoi. Enfin, ça, c'est une des qualités principales des Protoss. Ils peuvent régène leur bouclier. Bon, pas leur vie, hein, c'est leur bouclier. Attention. Oh, un corrupteur. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Alors en un coup les hydralisques. Oh, des zerglings. Bon, ça c'est vrai. Zerglings, c'est le cadet de. Enfin, le. Voilà, un cadet de mission, on va dire.
Donc on continue. Oh, des spines. Avant qu'ils ne prennent racine et nous attaquent. Bon, enfin, nous attaquent, hein, voilà quoi. J'ai envie de dire, pour ce qu'ils font comme dégâts, bah, faut pas croire quand même. Hein. Alors lui, il arrive pas à s'enraciner. Oh, le blink offensif. C'était beau. Le haut templier Garas est à proximité. Ah, cool. Il est où le gonze là? Au service d'Ayur. Bien sûr, on pète cette humeur pour enlever le mucus. Tac, tac, tac. Alors, des rochers. Vraiment, j'espère que je vais trouver toutes les couveuses. Hein. Sinon, je m'en voudrais un petit peu. Attendez, y a pas un truc. Non, on est déjà passé par là. Ah, je regarde bien, je fais gaffe parce que là, j'en ai marre de racter des trucs là. Des... Oh. Oh. Yo, bitch! Mes troupes ont pisté la reine des lames jusqu'à ce monde, mais nous ne savons pas ce qu'elle y cherche. Ah, s'il y a que des îlotes! C'est marrant, ça. Kerrigan et moi avons tous les deux été attirés ici pour découvrir une ancienne prophétie. Avec votre aide, je prie pour que nous la trouvions avant elle. Ah, j'espère, ça m'a l'air bien défendu. Donc, à mon avis, ça va être. Push final. Guide. Ah, bah. Ah, je suis ton guide, hein. Oh, il y a plein de zélotes. Alors, point de sauvegarde atteint. Ok, donc on a un stalker en plus. Alors, notre ami Karas et ses troupes de zélotes. On va focus... voilà. J'ai placé l'ultralisque dans une prison du vide. Ah bon. Abattez-le, Karas. Ah bon. Ah, par contre, ces stalkers sont améliorés, voyez. Ils attaquent vite, ils se déplacent très vite et ils peuvent bondir sur les ennemis. Ah, j'ai perdu un stalker. Mince. Alors, par contre, ce qu'on va. Zeratul, pouvez-vous abattre les herbes volants? Ouais, t'inquiète. On s'occupe des mutas qui font beaucoup de dégâts aux unités au sol. Et le brut de l'ordre aussi. Tac. Oh! Ça, faut buter. Doivent être détruits ou les renforts cercles nous submergeront. Ouais, enfin ça fait pas de dégâts, c'est juste que par contre il y en a pas mal. Placez-vous sur les hauteurs pour soutenir nos frères. Ah, par contre Zeratul là tu sers à rien ici. Zeratul a abattu leur verre. Continuez. D'accord. Bah continuez les mecs. Alors lui c'est un haut templier. Bah il se fait déchirer l'ultralisque. Yeah. Et un point de recherche protos en plus. Ah merde. Ah non, oh non, j'ai pas trouvé l'autre zerg. La dernière partie de la prophétie. Oh shit. Parle de quelqu'un qui brisera le cycle des dieux. Wow. Voilà qui est le plus inquiétant. Mais si la reine des lames recherche cette prophétie, nous devons l'en détourner. Le reste est obscur. Yo bitch. Quoi? Tu peux décortiquer chaque niveau de la prophétie, Zeratul, mais pas contrer le sort funeste qui nous attend tous. Ah non, c'est pas fini. Heureusement, j'ai eu peur. Pouh, c'est quoi ça? Nous ne pouvons pas vaincre contre un tel nom. Ah bon? Je vais me dresser contre la reine des lames pendant que vous fuyez avec les fragments. Oh non, il va décéder le pauvre. Je ne vous abandonnerai pas. La prophétie est plus importante que n'importe lequel d'entre nous. Percez ses secrets, Zeratul. Oh, il va mourir, c'est mignon. Votre sacrifice ne sera pas oublié, frère. Ah, c'est pas terminé. J'ai eu peur. Oh, c'est mignon, il va se sacrifier pour nous. Je dois atteindre le chercheur du vide avant que les ergues ne me submergent et que la prophétie. Oh putain, Kerrigan, regardez ça. Oh là là, allez, ça on va le buter. Oh, chercheur du vide détruit, non? What the fuck? Oh, motherfucker! Ça on le bute. Tac, 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 on fait ça. Ma loyauté. Ah, il y a encore un. Fucking zerg. Je ne
Ouais. Je dois atteindre le chercheur du vide et préserver la. Oh merde. Ah oui, merde. Putain, merde. Butez-moi cette merde. Oh, j'ai qu'une minute. Butez-moi ça. Ah. Oh. Ça c'est fait. Maintenant on court les amis, on s'arrête plus. Comment ça. Oh putain. Oh. Merde, par contre là. Par contre ouais, on va pas faire tous les objectifs. Parce qu'on aura pas. Oh là là. On bute tout ça, allez, vas-y. Oh, c'est chaud patate. Le bling de fou. Et on n'aura pas détruit les essaims. Cependant, je sais qui pourrait les interpréter. Les conservateurs de Zakul. Ouais, si tu le dis. S'ils ne le peuvent pas, je crains que tout l'univers ne soit consumé. Ah ouais. Oh, ce fut une belle mission. Mais évidemment, j'ai pas réussi à avoir le dernier point de. Oh, j'ai eu aucun refait. Oh, je suis dégoûté. Oh là 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 là. Oh non. J'avais pas trop tracker quand j'ai terminé. Oh putain, je suis dégoûté. Aucun au fait, voilà. Voilà, j'en étais sûr. Ah, ça m'énerve à cause d'un essaim. J'aurais pu avoir 15 de au fait là. Ah, ça me tue. Vraiment, ça me tue. Pff, comment on peut perdre des. Ah, ça m'énerve. C'est des hauts faits en moins qui. Ouais, je sais, je fais une fixette sur les hauts faits alors que c'est complètement. Enfin, voilà quoi. Moi, ça me tient à cœur. Ok, bon. C'est génial. Ah ouais, cool, on a déjà des recherches protos à faire. Mais résultat, les recherches d'air qu'on en a pas. Oh là là, putain. Bon. Allez, hop. Ah bah tiens, j'ai deux au fait. Bah voilà, j'aurais pu en avoir un troisième même, voire un quatrième. Ah bah tiens, encore. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve les amis. Bar. Oh magnifique, un portrait. Oula, attendez, j'ai mis les graphismes en combien là? Attendez, si je mets en ultra. Oula, il y a une lumière chelou là, c'est bizarre. C'est vachement plus éclairé que. Bref. Ticus. Heureux de vous voir, mon frère. Je vous. Attendez. Je le vois dans vos yeux. Vous avez été dans le monde des esprits. Yo, comment tu le sais, man? Il vous a donné un cristal. Et vous avez vu ce qu'il avait vu. Yeah, toi aussi, t'es perspicace. Ça ne vous regarde pas, Tosh. Sortez de ma tête. Comme vous voudrez. Mais vous devriez faire bien attention en regardant dans l'au-delà. Ouais. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. T'inquiète pas, papy. Et comment t'es devenu aussi copain avec les gros tos? Les gros tos. De ce que j'en sais avec les terrains comme toi et moi d'habitude, ils ont plutôt tendance à tirer à vue. C'est vrai pour certains, mais d'autres se battraient jusqu'à la mort pour protéger des gens comme nous. Je les ai aidés à défendre leur monde natal contre les Zergs pendant la première guerre. Quand Kerrigan est réapparu à la tête de l'essaim, je les ai encore aidés. Chez eux, la loyauté, ça compte. Ah ouais. Dalle, Jimmy, on dirait presque que t'as du respect pour eux. Je savais que tu comprendrais pas, Ticus. Bah, oh, oh là là. Bon, allez, les infos avec. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, le prince héritier Valérian. Merci beaucoup d'être avec nous, Votre Altesse. Yo, bitch. Merci, Kate. C'est formidable d'être ici. Permettez-moi sans plus tarder de passer à la question que tout le monde se pose. Avez-vous trouvé l'âme sœur? À vrai dire, Kate, j'ai le béguin pour vous depuis des années. Lol. Mais plus sérieusement, avec l'invasion Zerg, le temps manque pour batifoler. J'étudie intensément la tactique militaire avec le général Warfield, et le peu de temps libre dont je dispose est consacré aux affaires de l'État. Mon objectif est de devenir l'idéal que mérite notre peuple. Quand le moment sera venu, bien entendu. Merveilleux. Maintenant, j'en ai un deuxième sur les bras.
LOL. Besoin de remplir votre flasque? Tu m'en voles comme ça? Je suis plus en service, chef. Vous vouliez quelque chose? Oh. Pardon. Est-ce qu'on a des nouveaux... Oh, les briseurs de siège. Oh, ça c'est des tanks de... Oh ouais, deux chars de siège d'élite. Oh, ils ont du charisme. Hop, on engage. C'est bon ça. Ils ont du skill. Bah alors, armuré. Wow. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Holy shit. C'est bien fait, dites-moi. Armé de canons jumelés de 90 mm, le Crucio est une amélioration coûteuse du char de siège. Arclite d'origine, pardon. Le canon choc de 180 mm du mode siège projette du tungstène ultra chaud sur une zone de 50% plus large. Sur une zone 50% plus large. L'infanterie du dominion... Et putain, mais ça fait un bruit affreux, ce truc. L'infanterie du dominion est assez unanime sur le fait que les opérateurs de Crucio infligent plus de dégâts aux troupes alliées qu'à l'ennemi. Cela pousse les opérateurs en question à sortir groupés pendant leur permission. Wendell Slovens, l'un des premiers opérateurs de Crucio, installa un système très sophistiqué de son surround dans sa tire. Le sergent Sloven fut plus tard isolé et encerclé car il n'avait pas entendu l'ordre de retraite. Ah, l'espèce d'idiot. Enfin bref, on va parler à notre ami. Le tir est presque terminé, un peu de picole, un peu de dodo, puis encore un peu de picole, ensuite retour au boulot. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout beaucoup de picole, ouais. Oh, vaisseau. Ah non, encore vehicle. Oh, on va améliorer les tanks dominion. Oh, les specs. Mince, véhicule. Le canon choc. Oh oui, ça, il inflige vachement aux intérieurs. C'est bon ça. Oh oui, inflige 40 points de dégâts supplémentaires à sa cible principale. Ah, ça c'est carrément OP, ça j'achète. Tac. Deux hauts faits obtenus. Bon, j'aurais obtenu plein de hauts faits, mais pour la mission là, ça m'énerve. J'aurais pu en gagner vachement plus. Ah là là, bon, bref. Hop, on va faire un tour sur la passerelle et on va se quitter là, les amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tac. Tu es resté combien de temps au labo, Matt? Ça fait des heures que vous êtes parti, commandant. Vous étiez au labo tout ce temps? J'ai utilisé le cristal. Non, c'est pas vrai. Qui m'a donné Zeratul. J'aurais juré que ça n'avait duré que quelques minutes. C'était si net. Zeratul cherchait une prophétie Xel'Naga à propos de la fin de l'univers. Oh, mais c'est grave. Et il y a autre chose. Mais je n'y suis pas encore arrivé. Ouais, c'est ça. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement sur Dota 2 si j'arrive à la faire. Enfin, bref. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez remarqué... j'ai changé, donc j'étais obligé, hein, le layout, enfin la nouvelle chaîne YouTube, quoi. Donc j'ai fait un petit background minute comme ça, donc je changerai sûrement. J'espère que le nouveau logo vous plaît. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour me faire une intro, une outro, et voilà, normalement ça doit le faire. Je vais refaire les miniatures, enfin bref. Je risque d'avoir pas mal de boulot. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.